Le roi du FC Clown est de retour, je vais vous raconter ce qui vient de m'arriver. Je suis un clown, tout simplement, ça me va très bien ce filtre. En fait, c'est même pas un filtre, c'est mon visage normal parce que je suis un clown. Je suis un clown à qui on saute sa gueule tout le temps. Je sais que vous avez pas remarqué parce que vous en battez les couilles, mais je vais quand même le dire, ça fait quelques heures que j'ai pas snappé. Pourquoi? Parce que j'étais capté une... Mais comme tout bon roi du FC Clown, c'est un flop, comme d'hab en fait. On a l'habitude, c'est comme ça, on flop. D'ailleurs, dites-vous, j'ai été capté une meuf. Elle habite à 37 minutes de chez moi, pas à pied, pas en vélo, en voiture. Pire que Paris 7-7, pire que ça, frère. En Allemagne, elle habite. J'ai dit, on va remettre les pendules à l'heure. Quand tu dépasses plus de 10 minutes pour aller voir une meuf, c'est pour Ken, c'est pour graille, d'accord? Si je fais plus de 10 minutes pour venir jusque chez toi et que je graille pas, je viens pas. Je viens pas. Donc déjà, j'ai fait 37 minutes pour aller jusque chez elle. Ça, je me suis dit, c'est bon, c'est 35 rounds, ça. Ça, elle me doit tout, frère. Elle me doit son corps en entier, frère. J'arrive là-bas, frère. Déjà, la meuf, par message, elle chauffe. Comme toutes les meufs, tu vois, elles chauffent par message. Je suis chez moi, je suis seule et tout. Tu vois, elles sont tout le temps comme ça, frère. Tout le temps comme ça, elle va te chauffer par message. T'inquiète pas et tout. J'ai bien m'occuper de toi et tout. J'arrive là-bas. Elle est même pas dans sa maison. Pourtant, elle habitait seule, hein. Elle est en bas dans un hall. Quoi? Je me suis dit, ok. T'es dans le hall, c'est pas grave, on va le faire dans le hall. Allons-y. Pourquoi pas? Ça fait street, c'est bien. Mais non, en fait. Donc, j'arrive dans le hall. Je débarque à peine dans le hall. Je vois quoi? Déjà, elle est mal habillée. Déjà, quand t'arrives à un date, la meuf elle est mal habillée, déjà clownomètre il commence à monter. Déjà, tu fais partie du FC Clown parce que t'as date une meuf qui s'est pas habillée. Donc, déjà là, j'étais pas bien. Elle était mal habillée, mais pas mal habillée en mode ça va. Mal habillée en mode, vous voyez les meufs qui veulent s'habiller comme au state, mais c'est pas les states. C'est pas les states. Elle veut s'habiller comme au state, mais c'est Roubaix. Voilà, c'est Lille en fait. T'as vu de ma mère, elle veut faire genre qu'elle s'habille comme au state, mais ça fait plus Aubervilliers qu'autre chose, frère. Je vois, frère, elle veut s'habiller comme au state, mais un dura. Je vois les meufs qui mettent des durags alors qu'elles ont les cheveux lisses. Elle a les cheveux lisses, elle met un durag. Je la regardais, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu portes un durag? T'as des waves, t'as des locks. Enlève-moi ça. Je suis dans le hall, tout ça, je lui dis bonjour et tout. Puis je lui dis, bah écoute, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi on est dans le hall? Pourquoi on est pas dans ta chambre? Pourquoi t'es habillé? Je comprends pas, je suis pas venu pour ça, moi, de base. Ça allait durer 15 minutes, cette histoire. Elle me dit, non, mais parce que ma mère, elle est là et tout, nana. Je lui dis, mais t'habitais toute seule? Ouais, mais t'as capté. Tu vois les menteurs, t'as capté. Putain, frère, je dis, ça veut dire quoi ça? Non, mais t'as capté, c'est parce que ma mère elle est arrivée et tout, t'as capté, je vais pas la laisser toujours, t'as capté, genre j'allais pas prendre un gars. Tu vois les meufs qui disent t'as capté à chaque phrase? Elle dit rien de concret, juste t'as capté. Elle arrêtait pas de dire ça, t'as capté, et genre tu captes, genre t'as capté. Déjà là j'avais envie de lui mettre des gros gifles dans son gros visage là. Bref, je lui dis vas-y carré, on va rester dans le hall alors. Mais tu veux qu'on se dise quoi? Je vais parler que par message écrit, jamais en vocal, jamais, donc je sais même pas quoi lui dire. Ça, c'est une erreur de débutant quand vous allez aider une meuf. Il faut que vous ayez au moins entendu un vocal ou un appel. Les messages écrits, ça peut tout dire, tu vois. Je savais même pas qu'elle était bête comme ça, t'as capté. Je savais même pas qu'elle parlait comme ça. Je rentre en plein malaise TV. C'est-à-dire que je suis là avec la meuf, tout ça. Et j'ai rien à lui dire. Tu vois, les dates gênants comme ça, quand tu parles. Quand t'es avec une meuf, t'as rien à lui dire, vous vous regardez, vous avez rien à vous dire. Toi, t'es juste venu pour Ken et elle est là pour parler. Tu comprends pas pourquoi elle te parle? Pourquoi on parle? J'étais pas venu pour ça. Et là, elle discute et tout, mais j'avais rien à lui dire. Donc le Congolais, le Congolais en moi, il comprenait pas pourquoi j'étais en train de parler avec elle. Genre, d'habitude, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, d'habitude, on fait ce qu'on a à faire, puis je me casse, tu vois. Et là, frère, elle parle et tout. T'as des chiens? T'as combien de frères et sœurs? Mais j'en ai rien à foutre! J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis! Arrête de me parler, frère! J'avais trop le seum. Déjà, là, j'étais pas bien, je jure, j'étais pas. Là, à ce moment-là, mon pied, il rentre dans le FC Clown officiellement. Elle me dit, tu sais, j'ai mon petit frère et tout, il aime trop tes vidéos. Ok, ensuite, j'ai déjà capté plein de meufs qui avaient des petits frères. Petit frère, pas petit frère, on mange, je m'en fous. Bref. Ouais, mon petit frère, il regarde grave tes vidéos et tout. J'ai déjà capté plein de meufs qui avaient des petits frères. Petit frère, pas petit frère, on mange, je m'en fous. Bref. Ouais, mon petit frère, il regarde grave tes vidéos et tout. Ah ouais, c'est cool et tout. Et genre, il a toujours rêvé de te rencontrer. Ah ouais, c'est cool. Et genre, en fait, il est en haut. Oh là 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 là. Elle me dit quoi? Mon petit frère, il est en haut, il a toujours voulu te rencontrer. Je peux lui dire de descendre si tu veux, comme ça, vous parlez un peu. Bref, je continue l'histoire, faites comme si c'était rien passé. Donc elle me dit, ouais, mon petit frère, il est en haut et tout, il aime trop tes vidéos et tout, il peut descendre et tout. Mais c'est quoi ça? Donc je suis venu pour soulever sa soeur, je vais me retrouver à parler avec lui. Mais pourquoi je vais parler avec lui? J'avais rien à lui dire, frère. Elle me dit, ouais, s'il te plaît et tout, il s'appelle Théo, il a 11 ans et tout. Allez, ramène-le, Théo de merde. Là. Il descend, ah, Kinda Sama, je fais, ah, Théo, ça va. Alors que j'étais venu pour soulever sa soeur, ah, Théo, ça va, tu vas bien, mon gars, gnignignign. Bref. Tu vois, tu vas me faire une dédicace et tout, je fais dédicace à Théo, on est ensemble, force à... Bref, de... tout ce que les influenceurs, ils disent tout le temps, force à toi. Quand on dit force à toi, on le pense même pas d'ailleurs. On le dit juste comme ça, force à toi, on sait pas pourquoi on dit ça, bref. Donc je fais la dédicace à Théo, tout ça.
Puis je me dis, c'est bon, j'ai fait la dédicace à Théo, maintenant Théo s'en va en fait. Mais Théo reste, Théo me regarde dans les yeux et me dit, ta meilleure vidéo, c'est quand. Mais là, je comprends pas, je regarde Théo et je me dis, mais. Casse-toi, garçon, pourquoi t'es encore là? Bye! Et je me retrouve en bas à parler avec le petit frère d'une meuf que je devais soulever. Tu sais, avec mes potes, garçon, monte là, ils vont se mettre là-bas et toi, sérieux, vous regardez mes lives, mais c'est ta soeur que je devais ken, donc pourquoi tu parles encore en fait? Donc je regarde sa soeur et je lui dis, mais putain, ton frère, j'ai dû partir. Elle dit, bon, Théo, allez, tu pars et tout. Puis après, il part avec ses claquettes de merde. On mange, frère, oublie pas. Ouais, ouais, c'est ta soeur que je devais manger. Bref, il parle de Théo et je dis à sa soeur, bon, ça fait quand même 1h30 qu'on est dans ce hall. Il va se passer quelque chose ou? Et puis elle me fait la technique de quoi? L'appel. Elle reçoit un appel comme. Les meufs, c'est toujours comme ça. Elle reçoit un appel. Attends, quelqu'un m'appelle. Mais personne t'appelle. Elles font genre. C'est les Total Spice. Tu vois, les Total Spice, il y a un casier qui s'ouvre. Elle se retrouve dans le bureau de Jerry. C'est la même chose. Attends, on m'appelle. Comme par hasard, on l'appelle à ce moment-là. Attends, allô? Oui, allô? Les meufs, quand elles sont à un date avec un gars et qu'elles veulent partir, elles reçoivent toujours un appel de quelqu'un. En fait, elles envoient un message à leur pote. Appelle-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Ah, elle m'appelle, attends, on m'appelle. Elle appelle et elle fait genre, ah putain, je dois bouger et tout. Genre, il y a mon père qui va arriver d'Afghanistan parce qu'il y a un bombardement en Syrie. Pff, n'importe quoi, elle me sort une disquette complètement ridicule. Elle me dit, ouais, donc je dois partir et tout. Donc dites-vous, j'ai fait 37 minutes en voiture pour aller capter une meuf. Tout ça pour faire une dédicace à son petit frère. 37 minutes! 37 fois 60 secondes. Frère, vous vous rendez compte à quel point je suis le roi du FC Clown? J'ai fait 37 minutes pour aller capter une meuf, tout ça pour qu'elle me demande une dédicace avec son petit frère, puis après, elle fait une diversion, elle se casse! 37 minutes! Et j'ai même pas ken! J'ai fait une dédicace à son petit frère, et puis elle est partie! C'est la plus grosse douille qu'on m'ait jamais mis, je me sens, là j'ai envie de mourir en fait. Là je sais pas, je me sens comme une pute, voilà. Tout simplement. Je me sens pire que le vagin de Chata du 7-7. En fait, là, je sais pas quoi penser, en fait. 37 minutes en voiture, vous vous rendez compte ou pas l'essence? Le chauffeur, je lui ai donné 40 € aller-retour pour faire une dédicace à un petit con qui s'appelle Théo.